Amis terriens, amis terriennes, bonjour et bienvenue pour l'épisode 21 de notre ami Gérard. Alors aujourd'hui nous sommes chez moi, hein, parce que j'avais envie de voir en fait combien je pouvais faire de cubes d'or et de diamants avec ce que j'ai récolté depuis le début. Parce que j'avais zappé de faire ça. Donc je vais le faire tout de suite avec vous les amis avant d'y aller au temple, hein. Donc par contre, ça va, ouais non, mais de toute façon... Je suis loin d'avoir ce que je pensais avoir, hein, de toute manière, parce que c'est vrai que l'or, hop là, bon, voilà, je sais pas comment faire là. Hop, on va laisser aller comme ça. Hop, 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 hop. Bon, de toute façon. Mais ça m'en fait tout ça. 4, 4, 4. Qu'est-ce que je peux faire? Mais je crois que je vais arriver de manière à 6, ça m'en fait 6. Ah, quoique. 7. Ouais. Bon bah tant pis. C'est pas un compte rond. J'irai pas bien loin avec ça. Par contre en diamant. Ça va pas m'en faire des masses non plus. Peut-être en faire 4 cubes, ce serait... Ouais, bah génial. Génial, c'est bon. Ça c'est fait. Je vais aussi prendre l'obsidienne, hein, tant qu'à faire. Donc je suis là, hop, ça je vais tout plaquer aujourd'hui. Je vais aller prendre mon briquet aussi. Ça je peux peut-être allumer la porte aujourd'hui si je la finis aujourd'hui. Il est où? Il est là. Ça c'est fait. Je me suis aussi fait des escaliers parce que je vais en avoir besoin. Je me suis aussi fait des barrières. J'ai pris ma laine qui me reste et la pierre lisse qui me reste et du bois. Je vais en avoir besoin. Donc c'est parti les amis. On va aller bosser. Et pourquoi je prends pas mes rails d'ailleurs? J'y pense jamais. Je n'ai pas l'habitude en fait encore de me servir de ça. Donc il ne faut pas que je me loupe avec le diamant. Parce que ça va me coûter cher cette histoire si je les place pas au bon endroit. Donc, je vais me charger de ce que j'ai besoin. Je vais commencer par la pierre lisse. C'est parti. Action. Je vais essayer de le plier aujourd'hui. Ce serait pas mal avec vous. Alors, ben normalement c'est tout bon. Donc l'éclairage, hein, je le ferai tout seul en dernier, quand j'aurai fini. Parce qu'il n'y a pas besoin de filmer, vous n'avez pas besoin de voir un gars poser une cinquantaine de torches. Hein, c'est pas non plus. Hop. Je sais pas si vous y voyez grand chose, je suis désolé, c'est un peu sombre aussi pour moi là. C'est vrai que c'est un peu sombre dedans. Hop. Mes marches, je vais mettre des marches tout autour et je me suis pas fait de dalles. Il me faut des dalles lisses, pardon, c'est ça qui va me manquer. C'est les dalles lisses. Alors, je vais le faire d'ailleurs. Mais pourquoi je fais ça? Tac. Hop, je vais en faire 24, ça suffit. J'ai pas besoin non plus de repeindre la galerie en galles lisses, ça sert à rien. C'est parti. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, je vais faire comme si je faisais un toit au sol en fait. Toit de maison, c'est exactement pareil, sauf que moi il va être au sol là. Hop là. Donc, par contre là, on y va y mettre une dalle parce qu'elles sont plus claires que les cubes lisses. Ça permet de trancher un peu les matériaux. Tac.
Ben, allez, c'est parti. On va refaire, on va y remettre une autre couche. Je vais faire de deux étages. L'hôtel sera plus... Et mince. On va voir ce que ça donne après. Alors, tac, c'est parti. On va essayer de ne pas se tromper. Donc là, pareil, hein, je laisse l'espace pour une dalle blanche. Une dalle blanche grise. Voilà. Je ne sais pas comment vous les voyez, les couleurs. Moi, je les vois comme un daltonien. Des couleurs que je ne distingue pas. Donc c'est pour ça, des fois, si vous me voyez faire des choses bizarres, c'est que soit je ne distingue pas la couleur ou soit j'ai trop picolé. Mais bon, je vous rassure. Je picole pas tous les jours, donc bah si, la preuve, je me suis trompé là. Bon. Okay. Hop là, ben voilà, impeccable. Donc ça c'est fait. Alors normalement, je devrais avoir pile poil la place pour mettre ma porte dessus une fois fini. Normalement. Ça c'est fait, voilà. Alors, ah mais oui c'est vrai, putain, on peut rien poser dessus. Oh c'est chiant ça. Bon bah c'est pas grave les amis, on va pas s'énerver pour si peu. Je vais les doubler, tant pis, tant pis. J'ai oublié ça. Ah quel dommage. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop, ça c'est fait. Et j'avais même oublié de la mettre là. Tac. Ok. Donc en fait, ce que j'avais envie de faire avec les barrières en bois, maintenant, là, c'est de faire des poteaux, en fait. On va voir ce que ça donne. Hein. Parce que le bois, je sais pas ce que ça peut donner. Et puis poser les cubes de diamants et d'or dessus en fait. Parce que bon, un temple, hein, c'est supposé protéger de la richesse ou un artefact, hein, généralement. Donc, on va voir ce que ça donne, j'en sais rien. Hop là. Tac, ça c'est fait. Il me reste... Ouais, je vais avoir assez de barrières aussi. Impeccable. Hop là. Il me reste ce côté et c'est bon. Bon, bon ben voilà. On va voir ce que ça donne. Ça peut faire, ça peut être brouillon comme bizarre, comme sympathique. J'en sais rien en fait. Donc j'ai combien, 4 de diamants. Faut vraiment pas que je me loupe moi là par contre, parce que ça va me coûter cher cette histoire et je n'ai pas l'âge qu'il faut pour le récupérer si jamais je me gourre. Donc fasse attention. Je sais même pas d'ailleurs si je peux le récupérer, le cube de diamant, une fois fait. Ça m'étonnerait peut-être pas, même je dirais, ça se trouve. Hop là, hop. Tac, impeccable. Bon, ben c'est bien. Pareil pour l'argent, l'or, pardon. Hop là, on va voir ce que ça donne après. Après, je sais pas si je vais foutre des torches dessus, j'en sais rien. On va bien voir. Combien il reste de temps d'ailleurs? 5 minutes, impeccable. Je vais avoir le temps de poser ma porte aussi, mais c'est super tout ça. Ça, c'est bon. Hop. Bon, pourquoi pas. Hein, on va bien voir. Bon, ma porte maintenant. Alors, le problème, j'espère que je ne vais pas me tromper. Parce que ça, c'est une éternité à casser. Hein. Donc, il ne faut surtout pas que je me trompe. Deux. Oh, quoi ça? Deux. Trois. Quatre. Putain, c'est combien de haut aussi? Bon, je sais pas en fait, je sais plus combien c'est, 17, allez, 17, je suis arrivé en haut quoi, non c'est bon, putain je sais pas en fait, est-ce que je ferme là ou je ferme pas là, non je crois que c'est un autre étage, hein.
Oh, le blanc. Bon, bon, mais c'est pas grave, tant pis. Je tente. On verra bien. Hop, hop. Et il va faire nuit de toute manière. On va plus rien y voir dans pas longtemps. J'espère que c'est ça. Faites. Oh non, et voilà ce qu'il fallait pas faire. Mais bon. Et j'ai absolument rien pour la casser. Bon, les amis. Oui, c'est ça. C'est dommage, je me suis trompé. Mais bon, c'est pas grave. Je vais. Hop là, retourner chez moi. Je vais couper ici. Je vous reprends tout de suite. Oh ben non, je vais même pas couper. On va tout faire ensemble. Allez, soyons fous. Il me reste 4 minutes, hein, tant pis. On va voir du paysage. C'est pas grave. J'en ai pas pour bien long, de toute façon. Hein. Ah oui, c'est vrai que ouais, vous n'allez plus rien y voir aussi. Ça va être ça le problème. Bon, c'est pas grave. J'arrive chez moi, je pionce, je prends ma hache et on va bosser. D'ailleurs, je sais même plus si elle est là, ma hache en diamant. Si, je crois que je l'ai reposée dans le coffre en haut. Bon. Allez, c'est parti. On va se bouger les fesses. Hop, on pionce. Je peux tout faire en 3 minutes. Mon but dans cette vidéo, c'est d'allumer ma porte. Donc, je vais faire mon maximum pour allumer la porte. C'est parti, je me bouge. J'ai bien pris mon briquet, hein. Oui, c'est bon. Hop, et j'aurais dû me prendre un carte. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc c'est bien, on s'approche un peu à la fin du temple. Moi, je poserai tout l'éclairage après... sans vous, hein, parce que c'est pas, je pense pas que ça vaut la peine que je vous montre un gars qui pose une cinquantaine de torches. Hein. Bon, mais c'est bien. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a le temps d'aller chercher un hamburger au McDo et de pisser un coup et de revenir. Il sera juste cassé le bloc. Bon, bah, impeccable. Alors, bon, on va voir tout de suite si c'est ça. Par contre, je sais pas comment l'allume. Hein, si je pense qu'il faut coller un... Ouais, génial. Bah, c'est bien tout ça, dis donc. Impeccable, je suis content. Bon. Bon, je... Ouh, cette musique effrayante du Nether. Ça m'appelle... J'ai envie d'y aller. Mais non, j'irai pas tout de suite, les amis. Ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, moi, je vais m'occuper de tout l'éclairage. Je vais un peu arranger un peu tout ça. Une fois que tout est bien et tout est fait, je vous refais une vidéo. Je vous fais visiter tout ça. Je vous montre un peu les trucs que j'ai rajoutés à droite et à gauche. Mais la structure, je ne la toucherai plus maintenant, je pense. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. En ce dimanche, il fait pas très beau sur Minecraft. Hein, tous ceux qui sont sur les multijoueurs, amusez-vous bien, éclatez-vous tous ensemble. Passez un bon dimanche et moi, je vous reprends très bientôt pour une nouvelle aventure. Bonne soirée à tous les amis.